je vais faire une conférence assez technique, assez... Je vais peut-être qu'il faut que je sois debout, je ne sais pas. Je vais compter à peu près une heure, pour, parce qu'il y a beaucoup de poèmes aussi, beaucoup d'illustrations. Donc on m'a demandé de tisser des liens entre les nombres et la poésie. Comment les nombres interviennent en poésie? Je vais le dire. Donc, il y aura beaucoup de poèmes pour illustrer mon propos, les poèmes qui vont du 12e au siècle contemporain. Et je vais démarrer d'emblée. Donc, j'ai prévu environ une heure d'intervention et puis une demi-heure pour échanger avec vous et répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser, si vous voulez. Voilà. Donc j'ai choisi ce titre, Faire de la lumière autour du nombre. Je trouvais que ça correspondait à peu près à ce que l'on me demandait. Alors, les poètes ont toujours beaucoup compté. Ils ont compté dans l'histoire de la littérature, ils ont compté car ils étaient conteurs. Ils ont aussi compté sur leurs doigts. Ballades, rondeaux, sonnets, laits, virelets, je donne des formes anciennes de poésie, pour toutes ces formes poétiques apparues pour certaines dès le Moyen-Âge, eh bien il faut savoir compter. Il faut compter sur soi, compter sur ses doigts, compter dans sa tête, compter sur son goût pour les mots et pour les nombres. Eh bien, mon propos est ce soir d'établir des liens entre nombre et poésie. Alors, je voudrais écarter d'emblée une possible confusion. Un nombre, pas plus qu'un coucher de soleil, n'est poétique. Il n'existe de poétique que le poème. En revanche, un poème a parfois, et même souvent, besoin des nombres pour sa composition. Et les nombres interviennent de diverses façons en matière poétique. Ce sont ces deux axes que je voudrais évoquer ce soir. Les nombres étant infinis et mon intervention étant de durée limitée, je me suis limité à quelques nombres situés à peu près dans la fourchette de 1 à 100 000 milliards. Et je vais commencer d'emblée par 100 000 milliards pour tordre le cou au trop grand nombre. Vous verrez que je m'appesantirai beaucoup plus sur les nombres 1, 2 et 3, surtout sur le 1, et puis avec une petite surprise finale. Alors pourquoi 100 000 milliards? Eh bien parce que ce nombre a été choisi par Raymond Queneau dans les années 50 pour un projet qu'il avait élaboré dans son cerveau et qu'il a fini par abandonner. Et quand François Le Lyonnais, son grand ami, sur lequel je reviendrai, quand François Le Lyonnais lui a proposé en 1960 de créer un groupe qui s'appellerait le CELITEX, le Séminaire de Littérature Expérimentale, et qui très vite est devenu l'Oulipo, c'est plus joli à l'oreille tout de même, ouvroir de littérature potentielle, eh bien, quand l'Oulipo est né donc en novembre 1960, Raymond Queneau s'est dit, ben voilà, j'avais un projet qui finalement était très oulipien avant la naissance de l'Oulipo, je vais le mettre à exécution, c'est-à-dire je vais l'achever. Et voici ce que dit Raymond Queneau dans sa préface à ce fameux, la préface à ce fameux livre qui s'appelle 100 000 milliards de poèmes, que vous connaissez ou pas peut-être, un livre assez surprenant. Alors voilà ce qu'il dit dans sa préface. C'est plus inspiré par le livre pour enfants intitulé « Tête de rechange » que par les jeux surréalistes de Jean Kadavretsky que j'ai conçu et réalisé ce petit ouvrage qui permet à tout un chacun de composer à volonté 100 000 milliards de sonnets, tous réguliers, bien entendu. C'est somme toute une sorte de machine à fabriquer des poèmes, mais en nombre limité. Il est vrai que ce nombre, quoique limité, fournit de la lecture pour près de 200 millions d'années en lisant 24 heures sur 24. On va y revenir juste après, vous allez voir. Pour composer ces 10 sonnets, parce que finalement ce livre, je le précise, ce livre a exactement 10 pages. 10 pages, un sonnet par page. Bon, le reste ne sont que des commentaires. Que des commentaires, merci.
Pour composer ces dissonnelles, il m'a fallu obéir aux règles suivantes. Les rimes ne devaient pas être trop banales pour éviter platitude et monotonie, ni non plus trop rares ou uniques, comme « unze », « onze », « orze », par exemple, on appelle ça des rimes orphelines. Vous savez, le mot « peuple », par exemple, dans la langue française, n'a pas de rime. Voilà, il n'y a aucun mot qui rime à « peuple », aucun mot qui rime à « simple », aucun mot qui rime à « triomphe », pas plus qu'à « quinze »,« quatorze », ou 11. Ah non, mais il met 11. Oui, il y a quand même le bonze. Bon. Enfin, je lis que non. Hein. Il était nécessaire d'avoir dans les quatrains au moins 40 mots différents et dans les tercets 20. J'y reviendrai. Chaque sonnet devait, sinon être parfaitement translucide, du moins avoir un thème et une continuité. Troisièmement, la structure grammaticale, enfin, devait être la même et demeurer invariante pour chaque substitution de vers. J'ai veillé également à ce qu'il n'y eût pas de désaccord de féminin à masculin ou singulier à pluriel, d'un vers à l'autre dans les différents sonnets. Vous savez qu'en poésie classique, hein, ils appellent ça des sonnets réguliers, la poésie classique, on va dire du fin 16e jusqu'à fin 19e, on ne fait pas rimer un mot singulier avec un mot pluriel, même si, vous voyez, même si la rime à l'oreille est bonne, elle n'est pas rime à l'œil. Donc on ne fait jamais rimer un singulier à pluriel. Les choses étant ainsi données, chaque vers étant placé sur un volet, il est facile de voir que le lecteur peut composer 10 fois 10 fois 10 fois 10, 14 fois, sonnets différents, soit 100 000 milliards. Pour être plus explicite pour les personnes sceptiques, à chaque premier vers au nombre de 10, on peut faire correspondre 10 seconds vers différents. Il y a donc 100 combinaisons différentes pour les deux premiers vers. En y joignant le troisième, il y en aura 1000. Et pour les 10 sonnets complets de 14 vers, on a donc bien les résultats énoncés plus haut, 100 000 milliards. En comptant 45 secondes pour lire un sonnet et 15 pour changer les volets, à 8 heures par jour, 200 jours par an, on a pour plus d'un million de siècles de lecture. Et en lisant toute la journée 365 jours par an pour 190 millions d'années plus quelques plombes et broquilles sans tenir compte des années bissextiles et autres dates. Comme l'a très bien dit l'autre Hamon, la poésie doit être faite par tous et non par un. C'est drôle parce que ce livre existe donc depuis 60 ans. Et il y a une erreur flagrante et manifeste dans ce que je viens de vous lire, qui est de la plume de Queneau. Je vais vous le relire. Si on lit 8 heures par jour et 200 jours par an, on a plus d'un million de siècles de lecture. Donc 100 millions d'années de lecture. De 100 millions d'années de lecture. Mais si on lit en continu 24 heures sur 24, on en a pour 190 millions d'années de lecture. C'est drôle, hein? Il s'est trompé. Mais évidemment, il a fait les calculs à la main, que j'ai refait à sa place. Enfin, c'est assez facile. Finalement, il y a une minute pour composer un sonnet. Bon, voilà. Il compte une minute pour composer un sonnet et le lire. Donc, en fait, il s'est trompé. Dans le premier calcul, on a pour plus d'un million de siècles de lecture, donc 100 millions. En fait, non, c'est pas 100 millions, c'est 1000 millions d'années de lecture. Voilà. Donc il y a 200 millions d'années, 200 millions d'années à lire en continu et 1000 millions d'années à lire à raison de 8 heures par jour. Alors, mais c'est drôle qu'il n'y ait pas il n'y a jamais eu de rectificatif. C'est une erreur très grossière, très manifeste. Alors voilà, donc c'est composé comme ça. Là, vous avez le premier sonnet, et puis derrière, si je voyez, je bouge les volets, derrière, il y a le deuxième, si je tourne un volet, il y a le deuxième, etc. Et il y en a 10 comme ça, les uns sous les autres. Alors, écoutez, on va l'expérimenter, c'est pas très très commode, mais je prends au hasard, évidemment, si on avait le temps, j'aurais demandé de choisir lequel vous voulez. Donc, vous voyez, je tourne un peu au hasard des volets. Parfois j'en tourne un, parfois j'en tourne cinq, parfois j'arrive au dixième. Enfin bon, voilà, je tourne.
Pardonnez. Mais c'est quand même, c'est de l'expérimentation. Vous avez compris qu'on va lire, là à l'instant, on va lire un sonnet qui n'a peut-être jamais été lu par personne. Il faut bien comprendre que grâce à ce système, dans ces 10 sonnets, de manière potentielle, le mot est important dans l'Oulipo, de manière potentielle, il y a plus de littérature que dans tout ce qui a été imprimé depuis la nuit des temps, depuis Gutenberg. Il y a plus à lire que tout ce qui a jamais été imprimé dans toutes les langues et à toutes les époques. Voilà, j'ai tourné les volets au hasard et je vais lire le sonnet qui s'étale sous mes yeux. Lorsque tout est fini, lorsque l'on agonise, que convoitait, c'est sûr, une horde d'escrocs, le chauffeur indigène attendait dans la brise, elle soufflait bien fort par-dessus les coteaux. On vous fait devenir une horde de marchandises, on prépare la route aux pensées sépulcraux, de la mort on vous greffe une horde de bâtardises, elle effraie le Berry comme les morvandiaux. Le brave a beau crier en craignant sa perlotte, le lâche peut arguer de sa mine palote. Les croque-morts sont là pour se mettre au turbin. Barde, que tu me plais toujours, tu soliloque. Content tes abattis lecteurs, tu te disloques. Toute chose pourtant doit avoir une fin. Voilà, c'est nous. Alors, j'ai dit le lâche peut arguer, ça c'est aussi. J'ai dit le lâche peut arguer de sa mine palote. En principe, il faut dire arguer. C'est une toute petite erreur, parce que le lâche peut arguer, c'est trop long, ça fait 7. Hein. En fait, Queneau l'avait pensé, le lâche peut arguer de sa mine palote. Mais, en toute rigueur, il faudrait dire arguer, et ça serait encore une toute petite erreur de Queneau. Mais je ne vais pas lui jeter la pierre, Queneau est un immense écrivain et un immense poète. Voilà. Mais j'y reviendrai peut-être un tout petit peu tout à l'heure, parce qu'il y a aussi une autre erreur. Passant d'un extrême à l'autre, là, ça y est, on a terminé avec les 100 000 milliards. Examinons quelques tentatives à la limite de François Le Lyonnais. Alors, l'Oulipo a été créé en 1960 par ce duo, François Le Lyonnais et Raymond Queneau. François Le Lyonnais est un, pas connu du tout, c'est un scientifique, il est né en 1901, c'est un scientifique passionné par les arts, par la littérature en particulier, par la poésie en tout particulier. Raymond Queneau est un immense écrivain. Dès les années 60, c'est une célébrité. Il vient de publier en 59 Zazie dans le métro, qui est un best-seller dès l'année 59. Donc, une célébrité, il travaille chez Gallimard, dans le comité de lecture. C'est un écrivain installé, reconnu, extrêmement talentueux. Et il est passionné de mathématiques, au point qu'il va même publier des notes au compte-rendu de l'Académie des sciences. Il est passionné de mathématiques et les deux vont se rencontrer en 43 pendant la guerre et ce sera le début d'une amitié qui ne s'éteindra qu'avec la mort de Queneau en 76. Et ils se téléphonent une fois par semaine, ils se tiennent au courant des nouveautés scientifiques. Voilà à peu près les deux personnages. Queneau est très connu, François Le Lyonnais ne l'est pas. Et le Lyonnais, qui est un personnage fascinant, complètement fascinant, intéressé par tout et qui a énormément d'idées, c'est lui qui a l'idée de créer ce groupe, c'est grâce à le Lyonnais que je suis ici ce soir. Et le Lyonnais est parfois un peu paresseux quand il... Oui, il est bourré d'idées, mais quand il s'agit de les mettre à exécution, il préfère le laisser aux autres. C'est un homme d'idées plus qu'un homme d'écriture. Et donc, quand il écrit, c'est souvent des textes assez brefs, voilà. Et quand il se lance dans la poésie oulipienne, donc dès les années 50 en fait, il cherche le côté minimal possible de la poésie. Et
François du Lyonnais s'interroge donc dès les années 50 sur le nombre minimal de mots permettant de composer un poème. Il parvenait alors en 1957 à ceci, poème composé d'un seul mot. Je dois vous dire que je l'ai appris par cœur, par vous les citer. Bien sûr, c'est un poème. Je cite maintenant. Fenouil. C'est très sérieux, hein. Alors, j'ai tenu ma conférence, c'est dans le même esprit. C'est à la fois sérieux et puis c'est drôle. Mais c'est le poème d'un seul mot choisi par François de Lyonnais. Il va plus loin. Réduction d'un poème à une seule lettre. T. T majuscule suivi d'un point. On peut croire que tout ça c'est de la plaisanterie. Non, ça n'est pas de la plaisanterie. Un peu plus tard, Jacques Jouet a demandé à chaque Olympien d'essayer de répondre à la proposition de Le Lyonnais, réduction d'un poème à une seule lettre. Donc on a fait ce petit fascicule d'une seule lettre, et chaque Olympien a répondu en argumentant ou pas. Pas très intéressant non plus. Hein. On trouve H, on trouve X, on trouve P, on trouve bon. Avec des explications. Mais sur le T, vous allez voir comment aussi l'Oulipo fonctionne en groupe. Sur ce T, majuscule suivi d'un point, voici, bon, pour la petite histoire, mais qui est la grande histoire, la seule histoire d'amour de François de Lyonnais, il était tombé amoureux d'une élève à qui il donnait des cours de mathématiques un peu avant-guerre, et puis quand cet élève est devenu mature, il a fini par l'épouser. Cette dame s'appelait Tania Naïchenko, qui est d'origine russe, et Tania est le seul amour de François Lyonnais durant toute sa vie. Voilà, le T, évidemment, T suivi d'un point, c'est pour Tania. Voilà, je vous le dis, vous le livre. François Lyonnais ne l'a jamais dit. Hein. Mais voilà le commentaire malgré tout de Le Lyonnais suivi d'un autre de Harry Matthews. Alors, un autre commentaire de Harry Matthews sur ce poème qui est important dans l'histoire de l'Oulipo. T. Point. Alors voici ce que dit Le Lyonnais. On ne sait bien où conduit un chemin qu'en le parcourant, ou tout au moins en y jetant un coup d'œil pour voir s'il se termine, à peu de distance, en cul-de-sac, ou s'il n'a pas de fin visible. Même les impasses ont leurs intérêts. Il est de nous éclairer aussi bien sur les limites que sur les pouvoirs qui sont associés à telle contrainte ou à tel mécanisme. Prenons le poème composé d'un seul mot. Combien de lecteurs le trouveront-ils parfaitement dépourvu d'intérêt? Et pour combien d'autres lecteurs aura-t-il, comme pour l'auteur, dit-il, pour Le Lyonnais, une charge poétique? Si une réaction d'émotion intense est hautement improbable, l'indifférence totale est-elle possible? Ainsi, l'expérience d'une tentative à la limite peut-elle nous aider à prendre conscience de ce qui se passe à une échelle plus large? À partir de combien de mots un poème est-il possible? C'est une question véritablement très sérieuse et liée au nombre, justement. On verra plusieurs éléments de réponse dans la suite de mon intervention. J'ai bien peur que la réduction d'un poème à une seule lettre ne se trouve de l'autre côté de la limite permise. Mais on peut bien s'amuser, non? De toute manière, l'auteur n'a pas voulu renouveler cette performance. Il abandonne à 25 de ses confrères le soin de constituer l'ensemble complet des 26 poèmes basés à partir de l'alphabet latin sur ce principe. Ce commentaire a inspiré l'Oulipien américain Harry Matthews, que certains ici présents a connu et fréquenté, Harry Matthews qui s'est longuement penché sur le poème réduit à la lettre majuscule T suivi d'un point et dont il fait ici l'exégèse. Alors maintenant je cite Harry Matthews. Quiconque a connu notre regretté cofondateur ne doutera pas de sa volonté de bien s'amuser. Une question néanmoins s'impose. Une intelligence si vive et si pénétrante pouvait-elle se contenter d'une boutade et exclure d'un travail même ludique les divers paramètres de la poésie qui, dans son commentaire, brillent par leur absence?
Notre scepticisme sur ce point sera renforcé par cette réflexion. C'est François Le Lyonnais qui a quasiment inventé la notion d'oulipo sémantique. Ce scepticisme sera enfin confirmé par la lecture du commentaire sur son poème basé sur la ponctuation. C'est un troisième poème que je vous montrerai tout à l'heure, qui suit de façon immédiate et sans doute insinuante les remarques déjà citées. C'est la ponctuation, là je cite Le Lyonnais qui est cité par Harry Matthews, c'est la ponctuation qui est chargée de faire vivre le poème, voire même de susciter quelques surprises. Je n'irai pas jusqu'à prétendre que la ponctuation fait tout l'intérêt de ce texte, mais elle y joue un rôle capital. Je reviens à Harry Matthews. Voilà ce qui nous livre un premier secret. La seule lettre du poème dont nous parlons ici n'est pas une lettre toute seule, mais une lettre suivie d'un point. La ponctuation transforme ce qui, autrement, serait une entité, suffisante même si mystérieuse, en une abréviation. À partir de là, nous n'aurons aucune difficulté à reconstituer l'ensemble caché et provocateur que l'auteur a réduit, à l'insu de tous, à un simple T. L'abréviation T point, notez bien qu'il s'agit d'un T majuscule, représente couramment le mot tourné dans l'expression TSVP. Cette formule, pour celui qui, comme François Le Lyonnais, s'intéresse à la philosophie et aux mathématiques, renvoie à son tour au texte préexistant « J'ai inventé le mouvement perpétuel TSVP ». Vous écrivez ça sur une, de chaque côté d'une même feuille. « J'ai inventé le mouvement perpétuel TSVP », vous tournez la feuille et vous lisez « J'ai inventé le mouvement perpétuel ». Tournez, s'il vous plaît. Le feuillet annoté devient en vérité une délicieuse machine qui, si on a suivi scrupuleusement son mode d'emploi, obligerait le lecteur et ses successeurs, dûment désignés par voie testamentaire, à son fonctionnement pour un temps dépassant probablement celui nécessaire à la lecture des 100 000 milliards de poèmes, la seule limite étant celle imposée par l'usure du papier. Pas l'usure du lecteur, puisque le lecteur peut transmettre à ses successeurs. Peut-on douter du plaisir qu'a pris François Le Lyonnais pour réduire cette machine à un mouvement perpétuel, où déjà l'abréviation joue son rôle à sa représentation minimale selon les principes d'économie mathématique et de suggestivité mallarméenne? Sa manière de procéder aura été d'une logique simple et sûre. Il est clair, par exemple, que l'explication « j'ai inventé le mouvement perpétuel » est superflue et doit tout de suite tomber. Les seules lettres « TSVP » de chaque côté du feuillet, suffisent à garantir le bon fonctionnement de la machine. Ensuite, les lettres SVP s'élimineront presque d'elles-mêmes. La courtoisie qu'elles traduisent, touchante certes, mais n'ayant aucune place dans un énoncé scientifique ou poétique, est en tout cas sérieusement entamée du fait même que les mots qu'il exprime sont tronqués jusqu'à leurs initiales par le souci d'une efficacité qui ne doit rien à la courtoisie. Donc SVP sont inutiles. Enfin, celui qui sera capable de discerner l'ensemble du texte codé, la présence de T points de chaque côté du feuillet, paraîtra une pure redondance. Voilà donc en abrégé le procédé de simplification qu'a suivi Le Lyonnais. J'ai inventé, etc., TSVP de deux côtés de la page, puis TSVP des deux côtés de la page, puis T points des deux côtés de la page, la SVP c'est pas la peine. Et puis finalement, T point d'un seul côté de la page. Ainsi, l'esprit ingénieux de notre confondateur s'assurera qu'il continuerait à se manifester parmi nous au-delà de sa mort physiologique. J'espère que le modeste travail ici présenté inspirera d'autres études en profondeur des écrits de François Lyonnais, des écrits tels que poèmes basés sur la ponctuation qu'il définissait comme étant à la limite. C'est certainement dans ses œuvres apparemment triviales qu'on trouve l'empreinte de sa pensée la plus probante, puisque la plus hermétique. Voilà, fin de citation de Harry Matthews, cette glose sur le poème T. Vous voyez qu'on peut faire, on pourrait faire un livre entier autour de T. Et des commentaires que ça peut susciter pour tel ou tel autre poète. Et puisque Harry Matthews vient d'évoquer à l'instant le fameux poème basé sur la ponctuation de François Lyonnais, il est grand temps de le donner ici et de le lire et à entendre avec l'intonation souhaitée. Il y a, alors je vous le présente, il y a un sous-texte qui pourrait être « Je vais vous lire la suite des nombres
deux points. 1, 2, 3, 4 et 5. Faisons ici une pause. Avant de passer au suivant et en marquant un temps un peu plus long entre les nombres, 6, 7, 8, 9, 10. Voyons voir. Quel est peut-être le suivant? Est-ce que ça ne serait pas 12? Mais non, quel ballot je suis! Mais non, c'est 11! Vous voyez comment il faut le lire avec la fameuse formulation. Voilà. Et ça, c'est un poème très sérieux, si vous voulez, un poème à la limite, une tentative à la limite poétique inventée par Françoise Lelieu. Et puisque nous tournons autour des nombres, eh bien reprenons un petit peu le chemin de l'école avec l'instituteur Paul Fournel. Paul Fournel a été longtemps le président de l'Oulipo. Après François Lyonnais, il y a eu Noël Arnaud. Après Noël Arnaud, il y a eu Paul Fournel. Et maintenant, c'est Hervé Le Tébure. Eh bien, Paul Fournel a publié, il y a longtemps, cette table de nains. Table de nains. Table de nains, et pas chez la table qu'on pourrait apprendre à l'école, qu'on devrait apprendre à l'école, mais avec des noms qui sont un peu plus judicieux que 1, 2, 3, pourquoi 1, 2, pourquoi 2, 3, non. Paul Fournel n'est pas mathématicien, il aime vraiment les mots, il aime faire entendre les mots sonner, et voici sa table de nains. Alors on commence par la table de nains. Nain fois nain, nain. Nain fois deuil, deuil. Nain fois toi, toi. Nain fois carte, carte. Nain fois saint, S-E-I-N, saint. Nain fois si, S-C-I-E, si. Nain fois sexe, sexe. Nain fois huître, huître. Nain fois œuf, œuf. Nain fois disque, disque. Ce principe de l'homophonie approximative a souvent été exploité par l'Oulipo, et maintenant que les chiffres nain, deuil, toit, carte, sein, si, sexe, huître, œuf, disque ont été établis, poursuivons avec la table de deuil. Table de deuil. Deuil fois nain, deuil. Deuil fois deuil, carte. Deuil fois toit, si. Deuil fois carte. Huître, deuil fois saint, disque. Alors maintenant, il y a des nouveaux mots. Deuil fois si, bouse. Deuil fois sexe, carrosse. Deuil fois huître, baise. Deuil fois œuf, disque huître. Deuil fois disque, vin, veillet. Et on va terminer, parce que c'est sans fin, aussi. On termine avec table de si. La table de si, eh bien, six fois nain, si, six fois deuil, bouse, six fois toi, dix-huit, bravo. Alors, six fois carte, vous avez tous les éléments, vingt cartes, six fois saint, ah, ça c'est nouveau, tendre. Tendre. 6 fois sexe. Pardon ? Tendre sein alors. Non. Non. 6 fois sein. Non. Ah ben non. C'est sexe fois sein qui font tendre. Attention là. Non. J'ai fait des mathématiques. J'ai été mathématicien. Alors on en est à 6 fois sexe. Ah là c'est nouveau. Garance d'œil. Garance d'œil. 6 fois huître, garance huître. 6 fois œuf, nouveau, attention. Cinglante carte. Cinglante carte. 6 fois disque, sois sage. Bon, on pourrait continuer longtemps. Bah, j'arrête là. Je donne des pistes. Hein. Je donne des pistes. Tout ça a été publié dans la table de nains. Alors, on arrive aux arithmétiques. Dans un genre voisin, mais un peu différent, voyons l'arithmétique proposée par Raymond Queneau. Cet immense poète et écrivain avait une passion pour les mathématiques, je l'ai dit tout à l'heure, et tout particulièrement pour les nombres. Il nous livre son arithmétique affective
dans Sally plus intime, qui est en appendice des œuvres complètes de Sally Marat. Alors voici l'arithmétique affective de Queneau. J'aime énormément ce texte, mais il y a des opérations qui sont parfois savoureuses et parfois très mystérieuses pour moi. L'amour. 1 plus 1 égale 1. L'orgueil. 1 fois 1 égale 10. La vanité. 0,1 fois 0 égale 10. Le complexe d'infériorité. 1 fois 1 égale 0. Bravo. Le complexe d'Édipe. 1 plus 2 égale... Non, ça ne se devine pas. Moins 2. L'angoisse. 1 fois l'infini égale 13. La volonté. 0 fois 0 égale 0,01. Le crime. 1 plus 1 égale 1 plus 0. Le mysticisme. 1 fois l'infini égale 7. La connerie. 1 divisé par l'infini égale 0. Je ne sais pas pourquoi. La foi. La foi. Oh, c'est très bien. La foi. 3 égale 1. C'est du reste, même d'après les philosophes, c'est une preuve de l'infinité de Dieu. Parce que 3 fois l'infini égale 1, 1 fois l'infini égale l'infini. Et, voilà, ce qui ne marcherait avec aucun autre nombre. Mais 3 égale 1. La charité, 1000 moins 1 égale 999. La gourmandise, 1 plus 1000 égale 1,08. Je ne suis pas sûr de comprendre. La luxure, 1 plus 1 égale 32. Oui, à l'époque, on disait qu'il y avait 32 positions. La colère, 1 fois 1 égale 36. Enfin, l'avarice, 1000 divisé par 1000 égale 0,25. Ayant dans une autre vie exercé le métier de chercheur, on l'a dit tout à l'heure dans l'introduction, de chercheur en mathématiques, puis d'enseignant en mathématiques, je me suis tout naturellement allé à écrire ma propre arithmétique qui est devenue un dialogue que pour un dialogue entre deux personnes, A et B, que pour une plus grande fluidité, nous lirons à deux. Et je vais demander à Clotilde de venir me prêter la répartie, donner la répartie sur cette arithmétique humaine. Moi, j'ai un pote. Moi aussi. Et mon pote, il est comme moi-même. Mon pote aussi. On est comme les deux doigts de la main. Et bien, mon pote, il est tellement comme moi-même que c'est mon égal. Ah bon? Vraiment ton égal? Mais oui, puisque je te le dis, c'est bien simple. Mon pote, c'est comme mon double. Un double? Mais oui, mon double. Alors, ton double, c'est ton égal? Ben oui, puisqu'il est comme moi. Permets que je comprenne. Ton double, c'est donc ton égal? Mais oui, puisque c'est mon double, c'est mon égal. Ton double est donc égal à toi? Oui, et je dirais même plus, pour lui, mon pote, je suis son double. Donc son égal. Et tu vois, tu me comprends. Je te suis, mais je ne te comprends qu'à moitié. Car s'il est le double de toi-même, et si tu es son double à lui, c'est que tu es ton propre quadruple. Mais non, moi je ne suis que l'égal de moi-même. Alors laisse-moi t'apprendre que, selon toi, tu vaux bien 4 fois toi-même. Oh, je te préviens que je commence à m'y perdre. Tu me préviens? Oui, je te préviens. Tu me préviens de quoi? Eh bien, je te préviens que je vais t'avertir. Et peux-tu me dire de quoi tu vas m'avertir? Mais je te l'ai déjà dit. Alors maintenant que je suis averti, j'en vaux bien 2. Mais non, comme je t'ai averti que j'allais t'avertir, tu en vaux bien 4 toi-même, toi aussi. Alors on est quitte. On est égaux. Même si nos égaux ne sont pas égaux. Même si nos égaux sont inégaux. Dis donc, ton pote, il est marié, si je ne suis pas indiscret? Oui, il est marié. Et sa moitié, elle est comment? Comme une sœur. Son égale? Oui, son égale. Ah,
Donc, ton égal. Bah oui, mon égal. Alors là, ça colle déjà mieux, puisque la moitié de ton double est ton égal. Finalement, si je te suis, ça colle pas si bien que ça, parce que lui aussi, c'est sa moitié à elle. Et alors ? Alors lui, il est la moitié de sa moitié. Ah ! Il est son propre quart. Bon sang, mais c'est assez vrai ce que tu dis là. Ton ami n'est qu'un quart d'ami. Un quart d'ami. Un quart d'âme. Oui, mais un quart d'âme, homme. D'âme. D'homme. Et dire qu'il ne le sait pas. Faut vite le lui dire. Le prévenir. L'avertir plutôt. Et l'avertir au plus tôt. Comme ça, il en vaudra deux. Deux quarts d'ami. Un mi-ami, en somme. Un demi d'ami. C'est déjà mieux. Mais alors, il y a un demi-domi. Un demi-dami-domi. Maudit soit le demi-dami-domi. Mais dis, tu m'as dit que le maudit soit, que tu m'as dit que maudit soit le demi-dami-domi. Parti, oui. Et si mon pote ne te comprend qu'à moitié. Qu'à moitié? Oui, qu'à demi. Alors, il vaut mieux le prévenir qu'on va l'avertir. Comme ça, il vaudra quatre fois lui-même. Quatre fois le quart de lui-même. Huit fois le quart de sa moitié. Il aura retrouvé toute sa grandeur. Courons vite le prévenir. Eh ben, on peut dire qu'il a échappé belle, ton pote. Dis donc, entre vous deux, il n'y a personne. Ben si, 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 mon pote et moi, on a un pote en commun. Un tiers? Oh non, 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 tu vas pas remettre ça. Et alors, vous voyez comme l'Oulipo fonctionne beaucoup par osmose, vous voyez, que nous écrit un texte qui inspire un autre, etc. Attendez, je cherche la feuille. Du coup, moi, ayant écrit cette arithmétique humaine, une amie que j'ai, très férue d'écriture sous contrainte, une professeure de lettres, me dit, tiens, ben écoute, ça m'a inspiré une arithmétique inhumaine que voici. Donc, cette amie s'appelle Annick Sekaki, je donne son nom, je cherche la bonne feuille, voilà. Annick Sekaki, je l'appelle la dame aux 4K. Sekaki avec deux K puis un K. Annick Sekaki, moi je l'appelle la dame aux 4K, ça fait la dame aux 4K. Et voici, c'est d'elle, l'arithmétique inhumaine. Tu connais pas la dernière? Non. Jacques Demi s'est mis en 4. Tu veux dire qu'il s'est mis sur son 31? Parfaitement. Je vois que tu piges au quart de tour. Bah dis donc. Lui qui s'habille toujours à la 6-4-2. Je t'assure, il n'a pas fait les choses à moitié. Ah oui. En deux temps, trois mouvements, il était tiré à quatre épingles. J'en suis comme deux ronds de flanc. Il a mis des habits neufs. Neuf. En moins de deux. Tu veux dire en trois coups de cuillère à peau. Ne va pas chercher midi à 14h. Tu sais pourquoi il s'est mis en quatre? Je te le donne en mille. En l'honneur de sa moitié. De qui? De sa moitié. Laquelle? Comment ça, laquelle? Bah oui, laquelle de ses moitiés? Parce qu'il y en a plusieurs. Non, il en a deux. Chaque demi a deux moitiés. Oui, si tu avais ton dessous du jaune, tu le saurais. Fin Dieu. La prochaine fois, je tournerai sept fois ma langue dans ma bouche avant de te prévenir. Oh, bah, tu parles d'une nouvelle, j'en suis au 36e dessous. J'ai quand même bien fait de t'avertir, il était moins nu. Tu as bien fait. C'était pas la peine d'y aller par quatre chemins. Hein. Moi, je suis comme ça, tu le sais bien. Je fais ni une ni deux, je fonce. Quand même. Attends, il y a une chose qui me travaille. C'est pour laquelle de ces deux moitiés qu'il s'est sapé comme un prince? Tu vas pas commencer à couper les cheveux en quatre. Il s'est changé en 5-7 pour l'une de ses moitiés. Point. D'accord, d'accord. Pas la peine de me le dire deux fois, je te reçois 5/5. Au fond, il s'est peut-être mis en quatre pour ses deux moitiés. Il aurait mis des bouchées doubles pour l'une, puis des bouchées doubles pour l'autre, en quatrième vitesse. Va savoir. Bon, je te laisse méditer. Un de ces quatre. Alors, on va rentrer un petit peu plus en détail dans la poésie, là, les dialogues poétiques ou des fantaisies poétiques. Là, on va rentrer dans, vraiment dans l'écriture de poètes. Retournons donc au nombre pour rester quelque temps sur le nombre 1, qui compte beaucoup en matière poétique. Et commençons par le sonnet, 14 vers, découpés en deux quatrains, puis deux tercets,
Voilà le schéma de Rilke. Donc 14 vers, là je mets simplement, j'appelle A, B, C, D, E, les rimes dans un schéma classique d'écriture de Sonnet. Je vous l'ai dit, classique, c'est quand même pendant 350 ans, tous les poètes se sont sentis obligés de respecter les innombrables contraintes qui réside dans la simple écriture d'un sonnet. J'ai parlé tout à l'heure de singulier-pluriel, on ne fait pas rimer un singulier avec un pluriel. Bon. Alors déjà, il y a voilà, un schéma de rime. Alors il n'est pas, non, lui n'est pas rigoureusement figé. Parfois, ici, on ne reprend pas les mêmes rimes qu'au début. On peut prendre ici A', B', 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 A'. Enfin bon, il n'y en est pas. Parfois, ce n'est pas C, C, D, E, E, D, mais C, C, D, E, D, E. Voilà, ici, les rimes sont embrassées, tandis que juste avant, elles étaient... ici, elles sont embrassées, pardon. D, E, E, D, vous voyez, c'est embrassé. Tandis que là, elles sont croisées. D, E, D, E. Mais en général, il y a toujours C, C ici, donc deux rimes plates à cet endroit-là. D'Albert Rességuier, militant catholique monarchiste, dont on ne connaît pas d'autres productions en vers, voici ce très beau sonnet, monosyllabique, une seule syllabe par vers. Il faut que ça ait un sens, hein, faut que ça ait un sens. On est dans les années, première moitié du 19e. Fort belle, elle dort. Sort frêle, quelle mort! Rose close, la bise, la prise. C'est magnifique, hein, c'est vraiment magnifique. Et puis, de cet autre, dans le même esprit, de Rimbaud, dans l'album Zutique, avec des rimes un peu plus singulières. Poicre. Ah oui, pardon, ça s'appelle Cocher ivre, le titre. Cocher ivre. Poitre bois, nacre voix, acre loi, fiacre choix. Femme tombe, lombe saigne, clame gêne. Il raconte presque une histoire, hein, une petite histoire. Bon, femme embarquée dans un paracocher qui verse, on arrive en 14 mots qui riment, avec des rimes fortes et rares. Tout l'élément acre. Mais puisque nous sommes dans le monosyllabe, on peut concevoir un sonnet d'une autre nature. Dans l'acte 4, sur Saint de Phèdre, de Racine, Thésée accuse à tort son fils Hippolyte de vouloir séduire Phèdre, la seconde femme de Thésée. Thésée s'en défend, c'est tout le... qu'est-ce que j'ai dit ? Hippolyte s'en défend. Hippolyte s'en défend, puisque c'est tout le contraire. C'est Phèdre elle-même qui est tombée de son beau-fils Hippolyte. Enfin, tombée amoureuse de son beau-fils. Son beau-fils Hippolyte. Et il s'en défend au moyen de cet alexandrin sublime. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce ne sont que des mots d'une seule syllabe. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Et en plus, il n'y a pas d'enchaînement avec des e muets. Vous voyez, on peut enchaîner, belle âme. Vous voyez, belle âme. Mais il y a un e muet qui est avalé par la voyelle qui suit. Mais non, là, ce ne sont que des rimes masculines. On appelle rime féminine tout mot qui se termine par un... Enfin, toute rime d'un mot qui se termine par un e muet. Et rime masculine, toutes les autres. Ça n'a rien à voir avec le genre du mot. Hein. Moustique est une rime féminine. Maison est une rime masculine. Mais là, il n'y a que des rimes masculines. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Et c'est assez outre, c'est assez fort et très rare hein, dans l'histoire de l'Alexandre. Le sens naturel aurait voulu, peut-être qu'il dit, le fond de mon cœur n'est pas moins pur que le jour, mais non, ça a été inversé, ce qui est assez beau,
appelle le principe de métalepse, quand on intervertit la cause et l'effet. Ce qui est remarquable, donc, c'est que chaque mot, donc, d'une seule syllabe est rime masculine. Poussant l'exercice à son stade ultime, on pourrait envisager un sonnet d'alexandrin composé tous de mots monosyllabiques. Alors là, je me suis autorisé, je n'en ai pas trouvé d'exemple dans la littérature, mais je me suis autorisé d'éventuels e muets à condition qu'ils soient suivis d'une voyelle. Un e muet d'un mot singulier, j'autorise qu'il soit suivi d'une voyelle pour que la rime soit absorbée par la voyelle suivante. Donc j'en ai composé un. Voici un sonnet qui a un schéma de rime comme celui-ci. Voilà, exactement comme celui-ci. C'est ce schéma-là. Mais c'est un sonnet d'alexandrin et tous les mots sont d'une seule des syllabes. Ah, eh bien, qu'y a-t-il ? Lui dis-je, tu es veule. Va-t'en voir chez le sot et va voir si j'y suis. Lui part. Je suis seul et mon âme est bien seule. Le jour tombe, il est loin, je le vois mort dans la nuit. Par Zeus, je tends mes sens. Ouf, ça y est, il feule. Or, je hume et je sens, c'est là-bas qu'il a fui. Les pieds nus dans la panne, il dort là sous la meule, et puis cherche à tout va un beau gîte en plein buis. Il dort, son œil est clos, mais gare au feu de braise. Je compte 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ouf, j'y suis. Mais on dit qu'il n'est pas tant moins sûr de prendre un peu de temps que de boire la source. Où naît le doux lait chaud, quand il est prêt, bien mûr, des deux sacs lourds et pleins, qu'on dit parfois les bourses. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut, mais vous voyez, j'ai fait une tentative. Sonnet écrit en monosyllabique. Mais je vais rester dans le monosyllabe, et car les oulipiens et apparentés, il y a beaucoup de gens qui écrivent sous contrainte, d'auteurs qui ne font pas partie de l'oulipo, on appelle les oulipophiles, si on veut. Donc beaucoup de d'oulipiens et apparentés se sont exercés à écrire des poèmes du patrimoine, ou à réécrire plutôt des poèmes du patrimoine en s'imposant des contraintes. Georges Perec réécrit énormément de poèmes comme ça dans La Disparition, un roman entier, sans la lettre E. Et quand il veut réciter Les Chats, par exemple, de Baudelaire, il s'amuse à réécrire Les Chats en un vrai véritable sonnet sans la lettre E. Donc il écrit un poème qui s'appelle Nos Chats. Il réécrit le sonnet justement sur les voyelles de Rimbaud, qui s'appelle Voyelles. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Voyelles, je dirais quelques jours vos naissances là-dedans. Il va réécrire ça sans E, alors que le sonnet initial parle même de la lettre bleue, de la lettre E. Et ça donne A noir, un blanc. Ça, c'est une merveille. Il remplace le E blanc par un blanc. Je mets un blanc. C'est magnifique. A noir, un blanc. Là, je ne sais plus. I safran. Non, je ne sais plus. Et il remplace le mot voyelle par vocalisation. Eh bien, je vais parler ici de René Drouin, enfin Drouin, D-R-O-I-N, René Drouin, je ne sais pas comment on le prononce. René Drouin, qui a écrit un roman qui s'appelle Tome ou les mots les moins longs. Et dans ce livre, tous les mots sont d'une seule syllabe, tous les mots, et d'une seule syllabe à rime masculine. Donc il n'y a pas de E, il n'y a jamais pas de E. C'est un roman entier. Et dans le roman, il y a, vous voyez, et je suis chez moi, je fais les 100 pas dans le hall. Vous entendez, hein, ta-ta-ta-ta-ta, le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Pagaie les jours 7, ah c'est mon cours, qu'est-ce que je fais? Je sors, je me mets au lit, je vais au Rex, hein, voir un film X, dans un nightclub, au bal, non, le cœur n'y est pas, etc.
Et dedans, comme dans, chez Pérec, il y a des réécritures. Et il y a notamment réécriture d'un très beau poème, enfin, je sais plus, un poème assez célèbre, parce qu'il n'est pas connu du tout, c'est cette réécriture. Puis le poème « Après la bataille » de Victor Hugo, « Mon père, ce héros, au sourire, c'est tout ». Voilà. Alors, je le projette ici, « Mon père, ce héros », ça c'est le poème de Victor Hugo. Mais je vais lire la réécriture que René Drouin fait de ce poème en mots d'une seule syllabe, mais du masculin. Mon dade, cet as au riz si doux. Ah oui, ce sont des octosyllabes, hein, il a remplacé les accents par des octosyllabes. Que suit un preux très à son goût, pour son cœur, et car il est grand, son pur sang vient voir le champ tout plein de morts où choit la nuit. Dans le noir, il croit ouïr un bruit. C'est un gars du sud-ouest qui jeûne. Ça marche bien. En sang blanc et qui, mal en point, gît sur le sol à peu près mort et dit: j'ai soif, et puis se tord. Tout à coup, quand le preux s'est mis plus bas, le gars, qui n'est pas saint, S-A-N-T, prend le colt qu'il a dans la main et fait feu au front. Qui l'eût cru, le coup fut tel que le fez chut. Fais-lui donc du rhum, dit mon dade. Ah oui, oui, donne-lui tout de même à boire, dit mon père, c'est passé par le... Bon, donne-lui tout de même à boire, dit mon père. Voilà. Fais-lui donc du rhum, dit mon dade. Voilà. Alors, à propos de rimes, justement, peu de poètes se sont laissés aller à la tentation du poème monorime. Je reste sur le 1, mais cette fois-ci, c'est là. On va garder une seule rime. Tout à l'heure, je vous disais que le monosyllabe poète sonnait entièrement monosyllabe, n'avait à ma connaissance jamais été fait, mais le monorime, on en trouve quelques-uns, assez rares dans la littérature. Les poètes aiment bien justement varier les rimes A, B, C, D, E, en général, dans un sonnet. Bon, elles aiment bien la variété. Mais moi j'aime bien le fait qu'on s'impose une rime unique, que du coup le lecteur ou l'auditeur attend en fin de vers systématiquement, sachant que c'est toujours la même. C'est assez intéressant. À l'oreille, moi j'aime beaucoup ça. J'en ai trouvé dans la littérature. J'ai publié un petit recueil sonnet monorime comme ça, et je commence en hommage à ceux qui l'ont fait, que je ne connaissais pas forcément, mais c'est en furetant dans des anthologies de sonnets. Charles de Nugent, souvenir d'un voyageur. En 1857, fait un poème, un sonnet entier, se termine en ille. Ille, bon, une rime assez simple, hein. Ille, plein de mots. Ulysse Landau, je ne connaissais pas, qui a écrit un recueil sonnets et sornettes en 1873. Et là, on sent que c'est un petit peu plus, mais on sent déjà l'influence de 1873, vous savez, c'est l'année de Verlaine, Rimbaud, l'album Zutik, etc. C'est le moment où tout frémit. C'est le moment où on va commencer à casser un petit peu l'alexandrin, le sonnet. Mais enfin, on est encore à la limite, et là, c'est un poème très rigoureux, mais drôle, avec toutes les rimes en hoc. Hoc, soit au C, soit au QE. Alors, très important, rime masculine et rime féminine, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je n'ai pas rappelé, ce que tout le monde sait ou pas, que dans les fameux 350 années, hein, de 1600 jusqu'à 73, si vous voulez, 75, par là, pendant ces deux siècles et demi, on alterne systématiquement une rime masculine et une rime féminine. Tout, au XVIIe, tout Molière, tout Racine, tout Corneille, tout La Fontaine,
tout Chénier, au 18e, au 19e, tout Victor Hugo, tout entier, des dizaines de milliers de vers. Tout Victor Hugo, tout Baudelaire, tout Rimbaud, sauf à la fin, Verlaine, voilà, tout Mallarmé, bien sûr, respecte l'alternance des rimes masculines et féminines. Hein, j'y viens ici, regardez, vous avez rime masculine, ou, parce que masculine, il n'y a pas de muet. Et juste après, on a forcément des rimes féminines. Aïe, qui se termine dans un muet. Masculine, féminine, etc. Il y a forcément alternance, même si elles sont croisées, même si elles sont embrassées, il y a toujours alternance de rimes masculines et féminines pendant ces siècles-là, parce que c'est une espèce de pureté. Si vous voulez, les poètes ont ciselé, les Malherbe et les Boileau ont inventé des règles de plus en plus rigoureuses et contraignantes, mais pour qu'on arrive à une beauté subtile, vous voyez, mon père, ce héros, se fait si doux, suivi d'un seul hussard qui les met entre tout. Pour sa grande bravoure et sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille. Vous voyez, une rime féminine, c'est un petit peu plus doux qu'une rime masculine. Parce qu'il y a ce muet qui fait que ça se termine comme ça. Tandis que mon père, ce héros, au sourire si doux, c'est plus sec. Donc on alterne, vous voyez, une rime sèche et une rime mouillée. C'est une très grande subtilité. Et tout le monde s'impose ça. Donc quand on fait des rimes en hoc, par exemple, si on veut respecter les règles justement classiques, on doit faire des rimes en hoc OC ici, masculine, suivi après de rimes en hoc OQE. Voilà. Alors, je me suis amusé à prendre une rime encore plus invraisemblable, et j'ai écrit un sonnet qui s'appelle Os et A Nonox. Os et A Nonox. Bon, il y a un poème de Victor Hugo qui s'appelle Océano Nox. Au marin, combien de marins? Non, au combien de marins, combien de capitaines? Voilà. Donc, Os et A Nonox. Je vous le lis. Donc, monorime. Une rime unique qui est une rime en ox. Et je m'impose bien sûr d'avoir ici ox, ox, ici oxe, ici ox, ici oxe, etc. Mais ainsi, vous voyez, j'alterne. Dans l'éparpillement de la bâtarde boxe, pêle-mêle des fonds étranges paradoxes, la vaine panoplie et l'absurde équinoxe, sur une table de dissection en inox. Paradigme immobile en l'effet du botox, la victime s'attend au pic du stomox, cruelle, bombination de la mouche orthodoxe, carcan bombé noir qui déjoue le flytox. Dans la poudre de riz au reflet de la boxe, pleinement s'évertue Achille contre dox. Hors du cadre, mêlant la belette et le fox, mais au nœud qui devait les unir, nul ptox, vaine machination, amas hétérodoxe, que vantera la toux en matière d'intox. Alors, bon, je ne l'ai pas mis là, nul ptox. Vous allez dire, mais c'est quoi cette P-T-O-X-E? Comment? Nul ptox. C'est un hommage au nul ptix. Est-ce que je l'ai... attendez, je ne sais plus si je l'ai... Non, je ne l'ai pas mis. C'est un hommage au nul ptix, ptix, P-T-Y-X, du sonnet en X de Mallarmé. Car Mallarmé a fait un sonnet qui n'est pas monorime, mais qui est birime, fait rimer des X et X, et des or et or. Tantôt masculin, tantôt féminin, comme rime, mais ça s'appelle le sonnet en X. Et dans lequel on trouve... Sur des consoles en le salon, sur des consoles en le noir salon, nul ptix. Alors les historiens se sont penchés, mais non, il a inventé ptix. Ça s'appelle un apax, H-A-P-I-A-X, apax, c'est un mot qui n'existe qu'une seule fois dans toute l'histoire de la littérature. Le ptix est un apax. Donc j'ai fait un ptox. J'ai fait une ptox ici, nul ptox. Alors, que faire encore avec le 1? L'imagination des poètes est infinie. Je me souviens qu'en 2004,
le ministère de la Culture, par le biais de la délégation générale à la langue française, avait mis 10 mots de notre langue à l'honneur. C'était 10 mots choisis dans les titres des œuvres de Queneau. Depuis 2004, cette expérience est renouvelée chaque année avec une nouvelle salve de 10 mots proposés aux écoliers, etc. Donc, cette année-là, il y avait le verbe « s'exercer » dans la liste des 10 mots, et les « s'exercer » venaient des exercices de style. Exercice, on n'avait plus « s'exercer ». Et je me suis amusé à écrire un sonnet pour essayer de définir, comme un art poétique, qu'est-ce que c'est que s'exercer ? Qu'est-ce que c'est le poète qui cherche, qui travaille, qui biffe, qui pense, il s'exerce, etc. C'est qui peaufine son poème. Voilà, alors s'exercer. Et comme l'exercice, comme s'exercer n'a qu'une seule voyelle, le E, je me suis dit, je vais faire un poème monovocalique. Je vais faire un sonnet qui définit ce que c'est que s'exercer avec une seule voyelle autorisée, le E. Autrement dit, il n'y a pas de A, il n'y a pas de I, de O, de U. Bon, voilà, voici le sonnet. S'exercer. S'exercer, c'est tenter ses vers, les révérer. C'est penser et tester le verbe de l'enchère. Détecte les déchets de l'échec délétère, cesse de regretter et de désespérer. Repense ce revers et prétend préférer respecter de rechef cette règle sévère. En esthète effréné, resserre et persévère, en cette lettre fée, entend le vent errer. Redresse tes pensées et sans les fesses tendre, pénètre ses secrets, crée cet entreprendre. Recherche ce reflet permet l'émergence de textes très serrés. Presser le sens s'élève, égrène lentement cette belle sentence, réel est éphémère, éternel est le rêve. Oui, 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 la spécialiste qui remarque qu'il y a des allusions, des références. Et il y a une référence. Bien sûr. À Corneille. À Corneille, Corneille, oui, oui, Corneille dans Polyeucte. Attends, j'ai celui-ci en tête. Laisser les fesses se faire. Je sais plus. Bon, parce que vous voyez, redresse tes pensées et sans l'effet se tendre, mais en fait, à l'oreille. Et sans les faits se tordre. C'est secret. Ah, oui, voilà. Mais Corneille avait fait ça pour s'amuser. Mais plus les faits se reculent. Voilà. Plus les faits se reculent. Voilà, ça c'est du Corneille. Vous voyez, donc, les poètes ont le droit de s'amuser. Alors, après, je voulais parler du 2, mais je vais quand même commencer à abréger. Je voulais parler du 2. Je vais le dire, le 2, le bivocalisme. Non, tant pis, on va supprimer ça. Enfin, parce que là, je vais commencer maintenant je savais bien que ça serait beaucoup trop long. J'avais fait du bivocalisme. Vous pouvez, on vient de voir du monovocalisme, on ne va pas mettre le bivocalisme. Terza rima, sur le nombre 3, j'avais prévu de parler de la terza rima, c'est une assez belle formule. Terza rima, il faut que je tranche dans le vif, hein, sinon ça va être beaucoup trop long. Je vais peut-être parler de ce poète belge contemporain, donné aussi du 21e siècle, un monsieur âgé, je le dis parce qu'il va le dire lui-même. Qui connaît bien Louis Beau et qui a suivi les conseils de Le Lyonnais. Il cherche aussi, lui, la matière, le moins de mots possible. Enfin, voilà. Il va, après avoir toute sa vie écrit de la poésie sans limitation du nombre de mots, etc., là, plus il avance en âge et plus il restreint la longueur des vers. Et finalement, il m'écrit. J'en arrive à la fin de mon investigation à propos du défi de François Le Lyonnais, dont tu es une spécialiste. Ah, il dit ça parce que j'ai écrit la biographie de François Le Lyonnais. Je conclus que pour moi, 7 mots conviennent au mieux pour une poésie minimaliste et oulipienne.
plus précisément un vers unique de 7 mots déployés sur 2 lignes. Je dispose de 50 poèmes brefs pour illustrer mon propos. Et je vais en lire quelques-uns. Parce que j'aime beaucoup ce poète, Marcel Pelletier. P-E-L-T-U-R, on trouve, il est édité, Marcel Pelletier. Le poème ne signifie rien, il est. Moi, c'est important ça. Le temps grignote les vies, pétales fanées. Feuille blanche attend pattes de mouche. Femme se coiffant ses longs orteils nus. Un artiste inconnu grignote le silence nocturne. La sieste avec un cerf-volant en tête. Alors, voilà sur les poèmes de peu de mots. C'est vrai que je voulais vous parler aussi de l'Alexandra. J'ai déjà dit des choses sur l'Alexandra. Je voudrais y revenir un petit peu maintenant. L'Alexandra, c'est 12 syllabes. Chaque pays conçoit et peaufine sa culture au fil des siècles. Prenons l'exemple, quand je dis la culture, de manière générale. Prenons l'exemple des jardins. J'aurais pu prendre autre chose, la musique, je ne sais. Prenons l'exemple des jardins. Le jardin à l'anglais, c'est de nature irrégulière. Le jardin japonais tente de reproduire la nature en miniature. Le jardin à la française est en quête de la perfection formelle issue de la symétrie. Par principe de synesthésie, on essaye de faire se rejoindre tous les arts, enfin tous les sens plutôt, tous les sens ensemble. Il en est de même pour les autres formes d'expression artistique. Les Japonais imposeront des vers très courts, dans le poème du haïku, 5-7-5 syllabes. Le vers modèle anglais est un vers de 10 syllabes, le décasyllabe. Shakespeare a écrit tous ses sonnets en décasyllabe. Le vers italien, Dante, son enfer, n'écrit qu'en n décasyllabe, mais des vers de 11 syllabes. Eh bien, en France, c'est l'alexandrin qu'on préférera, qui s'impose à tous les poètes français pendant des siècles. Imposé par la Pléiade au XVIe siècle, il s'épanouit et devient la norme au XVIIe et poursuit son rayonnement jusque dans les fameuses années 1875 que j'évoquais tout à l'heure. Car outre 12 syllabes, c'est pas seulement 12 syllabes, c'est comme ici, c'est 6, une césure coupée au milieu et 6. Là, c'est 6 plus 6, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de mot à cheval sur les syllabes 6 et 7, par exemple. Interdit, totalement interdit. Mieux que ça, si on met un e muet en position 6, voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est la première moitié de l'alexandrin, un hémistiche, le premier hémistiche, là la petite respiration, puis là 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc si on mettait un e muet ici, qu'est-ce qui se passerait? Ben, le muet n'est possible que s'il est absorbé par la voyelle qui suit. Donc il faut qu'il y ait une voyelle obligatoirement. S'il y a un muet en position acide. Vous voyez, toutes les règles extrêmement rigoureuses. Je vais donner quelques alexandrins célèbres. C'était l'heure tranquille. Ça, c'est dans Victor Hugo, dans Beaux Endormis. C'était l'heure tranquille. Mais vous voyez, la première moitié se termine par un muet. Donc vous savez d'emblée que ce qui suit, il y a une voyelle. Où les lions vont boire. C'était l'heure tranquille, où les lions vont boire. Une pauvre très libre est un trésor si doux, nous dit André Chénier. Parle de l'indépendance du poète. Une pauvreté libre est un trésor si doux. On sait qu'il y a une moyenne tout de suite. Donne-lui tout de même à boire, on l'a vu tout à l'heure. Donne-lui tout de même là, à boire, dit mon père. C'est un trou de verdure, où on chante une rivière. Donne-lui tout de même à boire, je viens de dire. Un soldat jeune, Rimbaud, dans Le Dormeur du Val, un soldat jeune, bouche ouverte, mais voilà, il y a la césure malgré tout, même si c'est bouche ouverte, hein. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. Et là, c'est là que je voulais aussi, j'avais dit que je reviendrais, juste dire
que dans le premier des sonnets qu'avait composé Queneau dans ses 100 000 milliards, le tout premier, donc celui qu'il a lu le plus de fois, il y avait « Le cornet de bif en boîte blanchi dans la remise ». Et ça, ça vient d'être trouvé. C'est une lettre de Le Lyonnais à Queneau qui lui écrit en le 27 septembre 1960 « Le cornet de bif en boîte blanchi dans la remise ». Et Le Lyonnais. Et il y a 18 000 lettres de écrites à Queneau qui viennent d'être mises en vente aux enchères. On a pu les voir avant, et on va les consulter, et donc on est tombé sur cette lettre. Je résume, Le Lyonnais dit à Queneau qu'on risque de l'exclure du futur groupe qui va être Loulou-Loulou-Po, qui va être exclu parce qu'il vient de, faire un verre boiteux, le cornet de bif en boiteux. En boîte, derrière, il va y avoir obligatoirement une voyelle blanchie dans la remise. Impossible. Ça fait 13. Si on veut compter que ça fait 13, on veut dire on ne met jamais un E muet en 6 suivi d'une consonne. Et de fait, bien sûr, Queneau a obtempéré, il a corrigé, et c'est devenu le cornet de bif en boîte empeste la remise. Là, c'est correct. C'est correct. La symétrie, je voulais parler de aussi 3, non seulement 6-6, après on fait ce qu'on veut, dans les 6-6 on peut le découper en 4 et 2, etc. Mais 3-3-3-3, c'est magnifique, 3-3-3-3, un aigle sans fin comme ça, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Ça c'est dans correspondance de Baudelaire, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Vous voyez cette symétrie très française, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Magnifique. Bon, en plus, c'est un des. Je parlais de synesthésie tout à l'heure, vous voyez, quand on tout se mélange, tout se répond, les parfums, les couleurs et les sons. Ça parle de ça, hein, ce sonnet correspondance, ou poème correspondance. Je voulais parler de La Fontaine. J'ai regardé un petit peu assez en détail, ayant travaillé sur La Fontaine, j'ai relu les. Je ne l'avais jamais fait, finalement, les 240 pages de la Fontaine, les 12 livres. En fait, j'ai lu des études, parce que maintenant, on a l'informatique, on peut faire des études sur les rimes, sur les. Bon, chez La Fontaine. Et sur l'originalité de La Fontaine, c'est la longueur des vers, qui est mobile, justement. La Fontaine, 17e, quoi, 17e, ne s'astreint pas à la grande rigueur avec des espèces de poèmes rectangulaires. Un sonnet, c'est rectangulaire. Il y a le même nombre de la longueur, c'est compté par le nombre de syllabes. Mais chez La Fontaine, ça varie tout le temps. Et alors, je vous donne le résultat des statistiques chez La Fontaine. Et c'est assez intéressant. Qu'utilise La Fontaine? Alors, l'alexandrin majoritairement, ou plutôt l'alexandrin, à 50%. 50% des vers de La Fontaine sont des alexandrins. Juste après, on passe aux octosyllabes. Des vers de 8. 38%. Donc il y a surtout du 12 et du 8. Mais c'est là que c'est intéressant. Juste après, en proportion, on trouve de l'heptasyllabe, des vers de 7. Ça, c'est plus original parce que l'impair est moins utilisé, mais il y en a quand même 7% d'heptasyllabe, suivi de 5% de décasyllabe. Et c'est pratiquement tout ce qu'on trouve chez La Fontaine. Dans tout La Fontaine, ça fait beaucoup, hein, 240 pages, ça fait quelques milliers de vers, on ne trouve que du alexandrin 12, du 8, du 7 et du 10, et quelques exceptions, il y a quelques vers de 3, c'est là, de 2, et je ne sais plus, de 6. Très très rare, très très rare. Mais vous en connaissez tous, La Cigale ayant chanté, 7. Tout l'été, 3. Voilà une exception. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu, 7, quand la bise fut venue, tout est en 7. Sauf le deuxième vers qui est en 3. Voilà. Mais ce 3, il est très très rare. Le 3 et 2. Oui, et 2 aussi très 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 rare chez La Fontaine. Bon. Je voulais parler après de, je vous ai dit, 1875, une année charnière. Et bien Verlaine, je voulais parler de l'impair chez Verlaine. Verlaine commence à écrire en 9 syllabes, et puis fait son sonnet boiteux en 13 syllabes, tout ça on va passer.
tout ça, on va passer. Je voulais parler d'un poète que j'adore, un poète vivant, William Cliff, poète belge. William Cliff, bon, c'est son nom de plume, ça ne va pas comme ça, mais son nom de plume, très très bon poète qui sait très bien compter. Et lui, que j'ai rencontré, lui affectionne particulièrement le 14 syllabes. C'est à peu près ce qu'on fait de plus long dans la littérature francophone. 14 syllabes, il aime bien le 8 plus 6 ou le 6 plus 8. Voilà, je voulais en lire, mais bon, voilà. Je voulais peut-être montrer ça. Là, ça, c'était les jardins. Ah, ben c'était ça la lettre. Ah oui, mais je l'avais. Bon, la lettre. Oui, je serais navré d'être obligé de réclamer votre exclusion de la réunion constitutive de l'Oulipo que nous devons fonder incessamment. Voilà. Comment excuser la présence du vers suivant ? Dois-je vous rappeler que des alexandrins de 13 pieds sont contraires au génie de la langue française ? Voilà. Vous voyez un peu l'humour de Lyonnais, des échanges entre le Lyonnais et Queneau. Voilà. Bon, je voulais parler de. Ah, ça, c'est le 7. Une invention à propos de 7. La première invention de l'Oulipo. La toute première invention de l'Oulipo, avant même les 108 milliards, c'est une idée de Jean Lescure qui a ici été mise. À profit par Queneau. Et c'est tout simple parce que c'est un algorithme en fait. On prend un texte de référence et on remplace tous les noms, ou ici c'est tous les noms, adjectifs et verbes, par le septième mot de même catégorie grammaticale dans un dictionnaire. Et donc ça donne ici la simèse ayant chaponné tous les termes, ce tuba fort déplorative. Voilà, dit que ça s'est fuverri. Pas le moindre sexué pétrographique morbiot de moufette. Vous devez rien. Elle a l'accroché fange chez la fraction, ça veut dire la procédure de lui primer quelques gramènes pour succomber jusqu'à sa langue nucléaire. Que feriez-vous au tendon cher, dit-elle, là c'était une arthrose. Chaponnais, incubation et joyaux, nuit et jour. Nuit et jour. Ah, incubation et joyaux à tout vendeur, je chaponnais, ne vous déploie. Vous chaponniez, j'en suis fort alarmant, eh bien, débagoulez maintenant. Est-ce que c'est, voyez ce qu'on fait avec les noms. Hein. Et la simèse et la fraction, c'est devenu quelque chose de. C'est un point de référence dans l'histoire de l'Oulipo. Et donc, ça a conduit. Les Oulipiens s'emboîtent le pas tout le temps. Donc, ça a conduit Hervé de Tillier à écrire l'histoire, une fable, façon La Fontaine, entre une simèse et une fraction. La simèse, pour accrocher les tableaux, bien là, c'est une simèse, là, et une fraction. Une fraction, P sur Q. Voilà. Donc il écrit. Ah ben, je l'ai pas lu. Une simèse seule, du haut de sa corniche, s'ennuyait à crever comme un chien dans sa niche. Bon. Une simèse seule, du haut de sa corniche, ça c'est faux. Mais s'ennuyait à crever, du haut de, comme un chien dans sa niche, 1, 2, 3. Ça c'est 3, 3, 3, 3 dont je parlais. Voilà. Pour occuper son temps, elle fait des divisions et se trouve soudain devant une fraction. Quel curieux animal, s'étonne à la simèse, contemplant le quotient 3 divisé par 13. La simèse n'est pas batteuse, c'est là son moindre défaut. Moi, j'ai pas mon bachot, fait-elle d'une voix boudeuse. Un chiffre sur un autre que c'est par une barre, c'est plus que compliqué, c'est carrément bizarre. Compliqué, pas du tout, s'indigne la fraction. Je ne suis à vrai dire qu'une représentation. C'est tout simple, vous voyez, 3 est numérateur et le 13 en dessous est dénominateur. D'ailleurs, sans me vanter, je suis irréductible. Voilà. Alors bon, je suis obligé d'abréger. Cette leçon vaut bien un numérateur sans doute. Dépité, la fraction valant 0 sur Q, parce qu'elle avait tombé son P. La fraction valant 0 sur Q, compris très en pétard, qu'elle ne diviserait plus. Ça, c'est un peu le je termine avec deux choses. D'abord, un truc incroyable. Regardez ici, imaginez, ces dessins sont sur des bandes de papier. Je vais déchirer là, je vais découper la bande supérieure selon cette ligne, puis après selon cette ligne, et je vais intervertir les zones bleues et roses. Les intervertis, ça devient ça. Eh bien, nous avons 5 personnages en haut, et en faisant ce petit jeu de bascule, on en a 6 en bas, voilà. Qui sont
qui sont tous évidemment un peu plus petits que là-haut, c'est tout. Bon. Mais Claude Berge utilise ce petit schéma pour le faire avec un sonnet. Là, c'est plus fort. Attention, on va couper toujours. On va garder la partie gauche maintenant. C'est la partie gauche. On va garder cette partie-là verte. Et on va découper et on va intervertir des zones bleues et jaunes. Vous avez ici, pas le temps tout à fait de tout voir, mais vous avez ici un sonnet 4, 4, 3, 3. Vous avez un sonnet parfaitement classique. Nous avons 14 alexandrins. Donc 14 fois 12, 168 syllabes. Il y a 168 syllabes. On intervertit. Voilà, je le fais. C'est les mêmes, vous voyez, déblatéré, farouche, il n'y a pas de trucage. Hein. Il n'y a pas de trucage. Déblatéré, abri, voilà. Vous voyez, déblatéré, abri, présomptueux, farouche, etc. Et maintenant, tandis qu'en frissonnant et le déblatéré, l'ami présomptueux, plus fou qu'il ne paraît, serrait sa souveraine d'une blonde farouche, d'un lien à la fois oppresseur et charmant. Dans l'ouest enfoui, dit-elle à son amant, c'est là que l'art fuit et détruit sa souche, et que la pyramide abolit l'univers. Nul n'entend le muet qui égrenait des vers, aztèque imperturbable à la touque imprécise, comme l'infatigable papillon aux yeux verts, jeune libidineux que la froideur attise, etc. Bon, même Xipétothèque tout doucement s'enlise. Et il y en a combien maintenant? Certains les ont. 15. Et 15, alexandrins, parfait. 15 fois 12, on a gagné 12 syllabes. Alors on a juste fait une interversion. C'est la magie. Je vais vous montrer ce petit. C'est Claude Berge, le mathématicien de l'Oulipo. Alors deux, il y a deux astuces. Il y a deux astuces. D'une part, regardez, chaque EME ici, il va être ici suivi d'une consonne. Elle le déblatérait. Mais tandis que juste avant, regardez, elle égrenait. Elle égrenait. Donc cette syllabe le n'est pas comptée ici, alors qu'elle est comptée ici. Donc ça, c'est le premier point. Quel est le deuxième? Et bien le deuxième astuce, c'est un degré de liberté. J'ai parlé de beaucoup de contraintes pour les poètes, mais parfois le poète a un degré de liberté. Quand il utilise encore, par exemple, le poète peut l'écrire E-N-C-O-R-E et ou E-N-C-O-R. Si encore est à la fin d'un vers, vous voyez, c'est important qu'il y ait un E-M-E ou pas, si c'est une rime féminine ou masculine. Donc il fait un peu ce qu'il veut. Et un autre degré de liberté qu'a le poète, c'est la diérèse ou la synérèse. C'est-à-dire que le mot lion, en poésie, peut être compté comme lion, une syllabe, ça s'appelle la synérèse, ou lion, lion, deux syllabes. Il y a un choix. Eh bien, regardez, dès le deuxième vers, ici, alors attends, je commence ici par exemple. Jeune ami présomptueux, plus fou qu'il ne paraît, jeune ami présomptueux, hein, je fais la synérèse. Présomptueux, ici, compte pour 3. Tandis que dans le deuxième, l'ami présomptueux, plus fou qu'il ne paraît. L'ami présomptueux, là, je fais la diérèse, donc je gagne une syllabe de plus. Voilà un peu de magie. Un petit peu de magie. Je voulais parler de la Sextine. La Sextine, c'est un poème où... Non. C'est un poème, c'est une forme poétique inventée par un troubadour du Moyen-Âge, Arnaud Daniel. Il y a 6 strophes de 6 vers, et là, ce ne sont pas des rimes, il n'y a pas de rime à ce moment-là. Ce sont juste les mots qui sont à la fin de la première strophe. Et dans la deuxième strophe, le dernier vient en premier, vous voyez, le dernier vient en premier, le premier vient en deuxième, c'est comme une spirale. Vous voyez la spirale? Donc ça va être F, A, E, B, D, C. Comme, voilà. Et on continue comme ça la spirale. Et il a inventé cette permutation et dans un très très beau poème, mais alors c'est écrit, on est à la deuxième moitié du XIIe siècle. Là c'est une traduction. Là je peux pas. Voilà, c'est très 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 beau. Très 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 beau. Voilà. Mais je vais peut-être juste, on va lire un tout petit peu.
une sextine de gastéropodes, puisque justement, les escargots tournent dans ce sens-là, pourraient lire en octosyllabes. J'ai dégusté des escargots bien gras, bien gros dans leur coquille. J'ai trouvé ça dans les littératures. Ceux de Bourgogne à manger chaud, dont on retire le morceau à l'aide d'une fine aiguille lors de déjeuners en famille. J'ai l'astuce, truc de famille, pour extirper les escargots. Vous voyez, hein, on reprend famille, escargots, après il va y avoir aiguille, coquille. Hein. Sans me piquer avec l'aiguille, car à l'abri dans leur coquille, ils ne lâchent pas le morceau. Et pour les attraper, c'est chaud. D'ailleurs, on s'amuse d'essayer d'utiliser des acceptions diverses, différentes. Vous voyez. Il faut, quand ils sont lourds et chauds, comme dans les bonnes familles, accepter de perdre un morceau, avoir deux tiers de l'escargot et en laisser dans la coquille, ne pas s'acharner sur l'aiguille. Indiqué par la grande aiguille, une autre acception d'aiguille, l'heure tourne et il fait bien chaud. Si je restais dans ma coquille, il y aurait des discussions de famille et dans un rythme d'escargot. Au piano, je jouais un morceau. Je voudrais cracher le morceau. Ou qu'un indice des aiguilles, je n'aime pas les escargots, mais je ne peux pas le dire à chaud. J'écrirai donc à ma famille une missive sans coquille. Et me voilà, vide coquille, le cœur à la tête en morceaux, et mis au banc par ma famille, mes propos de fil en aiguille ne leur ont fait ni froid ni chaud. Caleçon, vendeur d'escargots. Et il y a un envoi à la fin, tantada, on disait, un envoi qui doit reprendre les six mots, qui six mots et qui est, chaud devant et pique l'aiguille, si j'y ma famille en morceaux, sur des coquilles d'escargots. Eh bien, ce poète n'est pas du Moyen-Âge. Ce poète, l'auteur, est présent à la salle. Présent à la salle, connaît bien, n'oublie pas, connaît bien Arnaud Daniel, et la forme de la sextine, qui n'est pas la plus connue de tous. Et ce poète est une femme. C'est Clotilde de Briton. Voilà, je voulais parler, et là on regarde juste les photos, d'une jeune publicitaire, enfin non, une fille qui travaillait dans la publicité plutôt, qui a décidé de changer de vie et de devenir bergère. Elle a toute une histoire avec un bélier noir, et nous voilà dans sa bergerie, et on va écrire justement une terrine, bon voilà. Et je vais une terrine sur le bélier noir qui s'appelait Mandela. Elle avait appelé Mandela. Et puis je voulais terminer, et je vais terminer avec quelque chose de très important, je trouve assez important, car il est un nom que je n'ai pas encore cité ce soir et qui donne matière à penser, un nom auquel on ne pense pas forcément. J'ai évoqué les poèmes de Peu de mots, les tentatives à la limite proposées par François Le Linet. Et bien, ce personnage, étant un homme d'idées, je l'ai dit, hein, jusqu'au boutiste, il était normal qu'il y songea lui-même à ce nom. Ce nom, je crois avoir entendu. Zéro mot. Il y a une très très belle lettre de le Lyonnais qui va voir Queneau sur son lit d'hôpital quelques jours avant le décès de Queneau. Depuis une quinzaine d'années, nous revenions de temps à autre, Raymond et moi, sur le problème du plus petit nombre de mots capables de faire un poème valable. Dans une première catégorie, des poèmes qui n'ont aucune chance d'être compris ou goûtés, que du poète seul, ou tout au plus de quelques-uns de ses proches. Dans une deuxième catégorie, les poèmes faisant allusion à une émotion culturelle partagée par un petit nombre. Excalibur, il donne des exemples. Fatalitas. Prince. Vierge, barricade mystérieuse, calme bloc, la tour abolie, belle dame sans merci, millions d'oiseaux d'or, c'est du Rimbaud. C'est ce poète, le domaine d'élection des moins de 5 mots. Bon, et après, il dit on pourrait essayer de faire une anthologie des poèmes de N mots, et N étant compris entre 0 et l'infini. Et il dit 0 et l'infini. Je suis obligé d'abréger. Voilà. Et il met une petite note après zéro. Qu'est-ce qu'un poème de zéro mot ? C'est une émotion ressentie comme douée d'une qualité poétique potentielle et qui a été exprimée avec moins d'un mot. Il est vraisemblable que tous les poèmes connus,
ont commencé par être des poèmes de zéro mot avant leur conception. Selon cette définition, il existe un bien plus grand nombre de poèmes. On remarquera cependant que malgré toute cette richesse, l'anthologie des poèmes en zéro mot tiendrait aisément sur un timbre poste. Voilà. Alors, il définit lui-même, c'est l'auteur, c'est le concepteur, si vous voulez, du poème de zéro mot. PZM. Et pour moi, c'est quelque chose de très sérieux, mais on est toujours à cheval entre les deux, si vous voulez, avec la Lyonnais, avec mon hippo, c'est à la fois drôle, c'est très sérieux. Et cette chose-là me tenait vraiment beaucoup à cœur, et un jour, j'ai animé un atelier, comme un peu tous les ans, à Bourges, d'une semaine, enfin, de cinq jours, et j'ai dit, la thématique, cette année, sera le poème de zéro mot. Et ça a été tellement réjouissant que je vais vous montrer les inventions des participants. Et alors non, je ne sais pas. Et les participants, les inventions, il y en a eu d'autres. Hein. J'ai fait une sélection et on va s'arrêter sur cette sélection. Je vais assez vite, mais c'est quand même très très beau. Alors ça c'est pas une sélection, ça c'est vraiment... vous avez Georges Pourest qui avait, dans La Négresse Blonde, c'est son recueil, l'un de ses grands recueils, avait résumé le Cid par cet accent enfin magique, qu'il est joli garçon, l'assassin de papa. Magnifique accent, il résume tout le dilemme de Célimène, de Chimène. Voilà. Et donc, Georges Pourest a écrit vraiment, vous voyez, en 1909, donc bien avant, mais il a quand même écrit ce sonnet, vous voyez, 4-4-3-3. Là, il y a même une pierre en bois, si j'ose m'exprimer ainsi. Évidemment, c'est signé Nemo en exergue ici, Nemo, Nil, c'est bien. Voilà. Et j'ai trouvé Henri-René Lafont, pas connu du tout, mais ça, un très très bon poète. J'ai trouvé aussi, exemple pour poème définitif, réfléchis avant d'écrire à la beauté du papier blanc. Voilà. Et le Lyonnais nous dit voilà, le Lyonnais qui invente, j'ai trouvé ça dans une revue assez rare, Il Café, une revue italienne, et il y avait ce poème qui n'est pas dans les anthologies de Verrières de Loulipo, on ne reconnaissait pas les poèmes, sur le bout de la langue. Vous voyez, c'est, je vais vous réciter un poème que j'ai sur le bout de la langue. Voilà. Là, c'est Aliénor d'Aquitaine à l'abbaye de Fontrevaux, et elle est représentée comme ça, gisante, avec certainement, c'est une grande, une femme lettrée, certainement un poème. Elle lit un poème. Alors voilà maintenant les participants de cet atelier. Poème excusé pour cause de main coupée, AVC, excès de modestie. Embourgeoisement, sévices graves, suicide, enlèvement, etc. Vous voyez des idées pour que le poème ait zéro mot, il y a d'autres idées encore. Manque d'imagination. Voilà, ça c'est classique, hein, le poème de manque d'imagination, c'est un poème de zéro mot. Alzheimer, c'est moins drôle, mais c'est possible aussi. Hein. Meurtre, bien sûr. Poème dans une langue oubliée. Donc ça devient un poème de zéro mot, mais peut-être qu'il avait une signification dans le passé. Mais aujourd'hui, on n'est plus capable de le décrypter. Haïku envoyé par Bachot, un immense poète japonais. Bon. Poème potentiel. Mais ça, au fond, c'est ce que dit le Lyonnais. Il dit tout poème avant d'être écrit est un poème de zéro mot. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voire post-potentiel, nous dit Peter Hoff. Poème gommé. Voilà, vous avez sous les yeux un poème de zéro mot. Poème de fleurs, pas forcément zéro mot. Là, les voyelles étaient remplacées par des couleurs, des fleurs de différentes couleurs. Non, c'est pas vraiment zéro mot. Ah, ça c'est intéressant, je vous ai dit tout à l'heure du S plus 7, 7 secondes avant le démarrage du poème, toujours en T-moins 7, ça fait allusion au S plus 7 de tout à l'heure. Magnifique aussi Elisabeth Roux, qui nous dit, qui donne ici les. Il s'agit de la mise en page qui est donnée à l'imprimeur, si vous voulez. Et le poème en lui-même. On ne sait pas si c'est ça, non, le poème en lui-même. Le dixième vers, il est là, le dixième vers. En Garamond et en Italie, corps 24.
en grosse taille, rajouter un point d'exclamation à la fin du diabète. Vous voyez, c'est un métapoème. Métapoème sur le poème. Noir sur fond noir, oui, bon, récité par un muet, entendu par un sourd, à l'encre sympathique, bien sûr, récité de mémoire par un fantaisien. C'est pas mal. Poème de grève, je vous laisse le décrypter, très, tout à fait d'actualité. Nous sommes dans l'obligation d'annuler ce poème, bien sûr. Poème inutile. Monostique, un monostique, c'est un poème d'un seul vers. Enfin, oui, d'un seul vers. Monostique paysager, il est d'un seul vers, il décrit le paysage qu'on voit. Vous voyez ? Mais sans paysage, là, il manque le paysage. Oh, poème de zéro mot, magnifique. Isidore Zéro Mot, poète argentin, et dont l'œuvre a malheureusement été grandement disparue dans le grand incendie de Buenos Aires. Poème de zéro mot. Poème de trop, et voilà, fallait pas l'écrire celui-là, poème de trop, là, poème en kit, on va très vite, hein. Poème déchiqueté, poème creux, poème emporté par le vent, le brouillard, la neige, enfin on peut avoir tout ce qu'on veut. Ah, magnifique aussi ça, 50 Shades of Poetry, et oui, 50 nuances de poésie, et oui, oui. Et voilà, toutes les nuances, 5 fois 10, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 fois 10, magnifique. Poème de caviardage, ça existe le caviardage. Vous prenez un texte et puis vous rayez, vous gardez juste quelques mots pour de sorte faire un poème. Sauf que si vous rayez tout, vous avez un poème de zéro mot. Oui, coup de glotte, d'accord, enfin bon. Le poème n'est pas en dessous, si vous voulez. Il faut gratter, le poème n'est pas en dessous. Poème fondu, on va. Poème. Ah bah, peut-être même que là, je pourrais tourner la page, je sais pas. Non, je ne sais pas. Non. Si, voilà, je peux vous la tourner la page. Voyez. Bon, hein, on l'a évoqué tout à l'heure. Hein. On l'avait évoqué tout à l'heure. Poème égaré. Ah oui, j'adore. Magnifique, Léo Calderon. Magnifique. Le sonnet, vous le regardez trois fois. Que je m'étais fixé, mais j'ai senti qu'il y avait une appétence. Et donc, même en écourtant beaucoup, ben, voilà. Vous laissez un peu de temps pour les questions. Ah, mais je suis là toute la nuit.